Salut Arek. De nombreux attaquants ont marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille, notamment par de grands matchs en phase finale de Coupe d'Europe. On attend ton grand match. Est-ce que tu penses que ça peut être demain? Est-ce que tu es à 100% dans ce match au niveau physique? So, good afternoon everybody. D'abord, bonjour à tous. Tomorrow, if I will play, there's always a decision from the coach. Si je joue, I am ready physically, parce que c'est toujours la décision du coach, je suis prêt à 100% physiquement. Here in Marseille, there was a lot of good strikers. Alors je sais qu'à Marseille, il y a eu de grands attaquants. Et j'ai un immense respect pour eux, mais j'essaye toujours de me concentrer sur moi-même et d'améliorer mon jeu. Donc demain, si je joue, si j'ai la chance de jouer, j'essaierai de faire de mon mieux et faire un bon match. Et j'espère aider l'équipe à atteindre la finale, c'est l'objectif. Le plus important, c'est toujours l'équipe. Et j'espère qu'on va pouvoir jouer cette finale. Voilà. Arek, bonjour. Juste savoir, c'est la première fois de la saison que vous perdez deux matchs consécutivement. Compte tenu de la difficile soirée que vous avez passée dimanche contre Lyon, dans quel état d'esprit vous êtes au moment de jouer ce match retour? That's football, to be honest. C'est le football. You have a good honnêtement, et dans le football, on a des bons moments et d'autres moins bons. Et parfois, on fait des erreurs, parfois non. Le plus important, c'est toujours de continuer à se battre, de continuer d'avancer. Et on est à ce moment de la saison où on ne peut pas s'arrêter. Et bien sûr, on est des êtres humains, c'est-à-dire qu'on va faire des erreurs, on va parfois rater des trucs, mais comme je le disais, c'est la partie la plus importante de la saison, donc il faut continuer à s'accrocher. Demain, c'est un match très très important. L'objectif est d'atteindre la finale. Donc on va faire tout ce qui est possible et on va essayer de donner notre mieux, notre plein potentiel pour jouer la finale en respectant totalement le Feyenoord, car c'est une bonne équipe. Mais au match aller, on a fait beaucoup d'erreurs et j'espère que demain, on pourra jouer beaucoup mieux et gagner ce match. C'est l'objectif en tout cas, comme j'ai dit. Arek, bonjour. On parlait du dernier match contre Lyon. Malheureusement, ça s'est mal passé pour l'équipe, ça s'est mal passé pour toi aussi. Tu as raté notamment une grosse occasion en fin de première mi-temps. Comment est-ce que tu vis, toi, ces moments-là? Est-ce que ça te fait douter ou pas? Ou est-ce que ça te donne encore plus envie de te battre pour le match suivant? Comme je disais tout à l'heure, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des gens normaux, donc on fait des erreurs. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie du jeu. Le plus important pour moi et pour un attaquant, car je suis un attaquant, quand je rate une occasion, le mieux c'est de jouer. 3 jours après ou 4 jours après, pour avoir la possibilité immédiate, bien, de jouer, de marquer, et d'avoir une approche mentale positive. Je veux dire que les erreurs, c'est quelque chose de normal, bien sûr, elles sont là. Et il faut toujours avancer. Il faut toujours avancer. C'est comme ça que je vois la chose. C'est mon état d'esprit. Il n'y a pas de doute. J'ai pas de doute sur mes qualités, j'ai pas de doute sur rien. Je me concentre juste sur essayer de faire de mon mieux, de faire ma meilleure performance possible et aider l'équipe à atteindre la finale. On verra bien ce qui se passe demain, mais j'ai confiance pour l'équipe et pour moi-même. Bonjour Arcadius. Tu as beaucoup d'expérience, tu connais les groupes après des défaites justement et après ou avant des matchs si importants. Comment tu sens l'équipe? Est-ce que tu la sens touchée mentalement et physiquement? Parce que évidemment, il y a eu beaucoup de matchs cette saison, ou au contraire, tu sens le groupe motivé comme jamais? Tomorrow is a big game for us, so, demain, c'est un gros match pour nous. We cannot searching for excuses. On ne pourra pas chercher d'excuses. On est en fin de saison, il ne reste plus beaucoup de matchs à jouer. Je ne crois pas que nous devions chercher des excuses de voir pourquoi on a perdu les derniers matchs. Je veux dire, des excuses du genre on n'est pas en forme physique ou ce genre de truc. Non, non, on a perdu, ça arrive, c'est le football, on avance et on essaye d'apprendre de nos erreurs. Demain, c'est un match très très important et on est prêt mentalement, physiquement. Et on a tout ce qu'il faut pour gagner. Comme je le disais tout à l'heure, il y a deux semaines, notre objectif, c'est de jouer la Ligue des Champions l'an prochain. Donc, on va faire tout ce qui est possible dans le championnat pour jouer la Ligue des Champions et aussi pour jouer cette finale. Donc, demain, on va tout donner pour arriver à cette finale.
Arek, bonjour. Depuis que vous êtes reversé dans cette Coupe d'Europe, tous les supporters vous voient en finale, tous les supporters de l'OM, et malgré la défaite à l'aller, ils disent tous encore aujourd'hui « mais ça va passer largement face à Feyenoord de retour ». Est-ce que ce n'est pas un danger quelque part pour vous, joueurs, et est-ce que ça ne vous rajoute pas de la pression ? To be honest, I didn't feel that. Franchement, j'ai pas ressenti ça, cette attente là, en dehors de l'équipe, selon laquelle il faudrait absolument qu'on atteigne la finale. Bien sûr, on a une occasion unique de jouer la finale, mais je crois pas qu'il y ait tellement de pression ou tellement d'attente du public et des fans. Bien sûr, quand on joue pour l'OM, qu'on est deuxième dans le championnat et qu'on se bat pour des objectifs importants, les gens attendent toujours de vous, mais d'une manière positive, d'une bonne façon. Et je crois que c'est bon que les gens attendent quelque chose de nous, de gagner et de bien jouer, parce que ça fait une motivation supplémentaire pour être meilleur et pour mieux jouer. Arek Cech, juste au match aller, l'OM a donné le sentiment d'avoir été assommé par l'entame de Feyenoord. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour contrer cette équipe, un moyen de réussir à leur confisquer le ballon, ce que vous n'êtes pas arrivé à faire? Je crois que demain, ça va être un match différent que celui de Feyenoord, enfin de Rotterdam. C'est mon opinion, mais je crois que ça va être un match différent. Il y a un certain nombre de choses qu'on attend de Feyenoord, de la façon de jouer ou de ne pas jouer, qu'ils auront. Et la seule chose que je peux dire à ce stade, c'est on verra sur le terrain. Of course, like first half, they really press us very high from the first moment. En première mi-temps à l'aller, ils nous avaient pressé très haut dès le départ du match. Ils essayaient de prendre la profondeur beaucoup. Mais demain, c'est un autre match. On verra ce qui se passe. On est prêt pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on verra bien sur le terrain. Aujourd'hui, il est trop tôt pour parler. Yes, Arek, from the Netherlands. Of course, you have this past with Ajax, playing against Feyenoord. Vous avez ce passé avec l'Ajax. Est-ce que cette rivalité avec Feyenoord est une motivation supplémentaire pour vous par rapport à vos anciens coéquipiers? Former team players, but of course. Je n'ai pas parlé avec mes anciens coéquipiers, mais évidemment. Always there. I still remember my time when I was in Ajax. It was a special moment. Cette rivalité, c'est sûr que c'était spécial de jouer pour l'Ajax. Il y avait toujours cette rivalité. And of course, I can feel it because when I was in Feyenoord. Et bien sûr, je le ressens. I was playing in Ajax. But yeah, like. Et je le ressentais quand je jouais à l'Ajax, évidemment. Mais je l'ai dit, c'est aussi pour moi un match particulier. Et pas simplement parce que c'est une demi-finale retour, mais parce qu'on joue aussi contre Feyenoord. C'est toujours un peu particulier lorsqu'on est un ancien de l'Ajax et qu'on joue contre Feyenoord, donc demain ça va être le cas aussi. Merci. S'il te plaît. Bonsoir. Vous avez parlé de motivation, vous avez parlé d'état d'esprit, vous avez parlé de volonté d'aller chercher cette finale. Concrètement, selon vous, avec votre expérience, qu'est-ce qui peut faire la différence demain? C'est l'entame de match. Est-ce que c'est la gestion de l'événement avec les supporters? Qu'est-ce qui peut faire la différence concrètement? The difference can make our performance because, like I said, et la différence se fera sur la performance. Comme je le dis depuis le début, on n'a pas été très bon à l'aller. On avait ses problèmes en première mi-temps notamment, mais comme je l'ai dit, on apprend de nos erreurs et demain on sera prêt pour ce qu'on a vu, pour contrer ce qu'on a vu au match aller. C'est du football, bien sûr, on ne sait pas ce qui va se passer, mais à l'instant T je suis très confiant, je le dis depuis le début de la conférence, et si on joue chez nous, tout est possible. Donc je suis convaincu qu'on a une bonne chance de passer en finale et on va essayer de le faire. Ouais. C'est le retour des Marseillais, l'OM est en demi. La Coupe d'Europe, sa magie, les souvenirs de Boli. Le club olympien tisse sa toile, toujours un peu plus près des étoiles. Droit au but, la magie opère pour faire vibrer la France entière. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Demi-volée, à nouveau, on tutoie les sommets. Car nous sommes les Marseillais, et nous allons gagner.
UEFA Conference League, demi-finale retour. Marseille-Feyenoord, jeudi à 20h50 en direct sur M6.